Bonjour à tous et bienvenue sur Summer's Advisors, la chaîne qui propose informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vous présente et vous montre comment utiliser Agent GPT. Alors Agent GPT, qu'est-ce que c'est? C'est un bot lié à Chat GPT. Et son objectif, c'est de remplir une mission que vous lui donnez. Il va chercher les tâches à effectuer et les exécuter pour remplir cette mission. Vous allez voir, c'est très puissant. C'est parti! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. Donc, on est sur le site de Agent GPT, agentgpt.rewrkd.ai. Je laisse le lien en description. La première chose à faire est de donner un nom à votre bot. Alors, moi, je vais simplement l'appeler Agent GPT. Ensuite, un goal. Qu'est-ce que c'est? C'est un objectif. Donc, alors, notez qu'il faut écrire en anglais, mais utilisez Google Traduction si vous avez des soucis. What is the fastest way to make money? Donc, moi, je lui demande quelle est la façon, la méthode la plus rapide pour faire de l'argent. Donc, on peut voir qu'il réfléchit, thinking, et il vous donne des tasks, donc des tâches. Et après vous avoir donné les tâches, il l'exécute, il me donne une réponse. Il réfléchit de nouveau et vous donne de nouvelles tâches par rapport à ce qu'il a établi au départ. Et il le fait ainsi de suite. Alors il y aura une limite au bout d'un moment par rapport au fait qu'on est en démo. Si jamais vous voulez aller plus loin, il faudra utiliser votre propre clé API. Mais je vous montre ça dans un instant. Regardez. Donc là, on a trois tâches. Vous dit analyser les stock market, donc c'est tout ce qui est bourse, donc les tendances en bourse. Développer un algorithme, votre propre algorithme pour tout ce qui est trading de crypto-monnaie. Et vous pouvez aussi développer votre propre intelligence artificielle, donc tout ce qui est machine learning model, pour prédire ce qui va se passer au niveau des tendances des marchés. Donc là, il vous donne une réponse par rapport à ces tâches. Donc là, il vous dit qu'il vous recommande d'investir dans des compagnies telles que Amazon, Alphabet, donc c'est Google, Microsoft, Apple. Parce que ces compagnies, elles ont montré des signes de forte croissance. Ensuite, il vous donne d'autres tâches. Et il l'a exécuté de nouveau. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir, ça va, ça continue, il réfléchit, il réfléchit. Et il arrive un moment. Il arrive un moment que il ne peut plus continuer parce que justement il est en démo. Et que pour aller plus loin, il faut utiliser votre propre clé API. Alors, pour ça, vous allez dans Settings. Donc choisissez votre modèle. Donc c'est soit GPT 3.5, soit GPT 4. Et vous mettez votre clé API ici. Bien sûr, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.